vraiment juste une place où les jeunes peuvent peut-être se rencontrer, se faire de nouveaux amis aussi. Et puis, et la chance de goûter un petit peu à tous, comme les arts, la musique, la culture, juste pas mal tout, le leadership aussi. Et puis, c'est juste une bonne fin de semaine fun. Puis, pour les animateurs, puis l'équipe d'encadrement aussi, c'est vraiment une bonne fin de semaine où tu réalises ton projet, puis tu te sens content de tout ça. Pour moi, l'FJA, je pense que c'est une célébration. D'abord et avant tout, puis une opportunité de rencontrer des gens, puis de vivre c'est quoi la culture acadienne. Puis je pense que c'est une célébration, c'est rencontrer des gens, puis c'est vivre la culture. C'est une place où les jeunes peuvent aller et vraiment dire qu'est-ce qu'ils comme croyant dans leur tête et ça, et comme se parler et ça, et comme s'exprimer en français et ça. FJA, c'est un festival qui regroupe tous les jeunes de l'Acadie, les francophones des provinces maritimes. C'est vraiment intéressant, c'est mon premier, puis c'est vraiment le fun. Ça t'apprend beaucoup sur ta culture, sur la culture acadienne, sur les danses. On a différents ateliers, comme nous en musique, on a composé une chanson. Ça nous apprend vraiment avec des artistes comment performer, comment te dépasser. Puis surtout que c'est tous des jeunes qui parlent français, puis notre langue, c'est important. Bien, FJA, c'est comme un groupe de monde qui vient essayer de faire des ateliers puis avoir du fun pas mal. Le regroupement de jeunes qui sont motivés à pas juste rester chez eux et tourner leurs pouces. C'est un regroupement de jeunes acadiennes qui peuvent s'exprimer dans une place. Et c'est beaucoup de fun. Mon nom, c'est Elise Comeau, puis je viens de la Nouvelle-Écosse. Adrien Viotte est du Prince d'Or. Jonathan Barrio, puis il est du Prince d'Or. Christophe fait de Terre-Neuve. Moi, je m'appelle Monique Gingras et je viens de la Nouvelle-Écosse. Laureline Comeau, je viens de la Nouvelle-Écosse. Mon nom est Xavier Gould, puis moi, je viens de Chidiac, Nouveau-Brunswick, Canada. Sophie Melançon, Chidiac, Nouveau-Brunswick. Je viens de Chidiac et je m'appelle Julie. Je m'appelle Joanie Morris, je viens du Nouveau-Brunswick. Je m'appelle Sophie Routier, je viens du Nouveau-Brunswick. Isabelle Comeau de la Nouvelle-Écosse. Sébastien Kingsbury, Terre-Neuve. Moi, je m'appelle Étienne Labbé, puis j'habite à l'Île-du-Prince-Édouard, mais à Souris, c'est comme là-bas. Tous ces gestes passent des messages, n'est-ce pas? Communique avec ses gestes. Il faut toujours exagérer les mouvements de 25 à 50 %. Toujours, toujours, toujours. Vraiment pas! Oh, qu'est-ce que ça? As-tu une tête? Non, c'est toi! Maintenant, vous êtes un singe! Un singe! Marchez comme un singe! Allez-y! Go, 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 go! Juste pour te donner une Et aussi, c'est pas juste en faisant les grands espaces, mais c'est dans ton visage aussi. Es-tu enragé? C'est pas juste ça qui va montrer que t'es enragé. C'est comme, oh, je suis enragé. Puis, peut-être que je me coupe, puis là, je suis comme vraiment enragé que je vais couper. Eh bien, moi, j'ai pris l'activité de théâtre parce que je suis vraiment comme une actrice inspirante. Là, je veux vraiment ça que je veux faire avec ma vie. Alors, je penserais que s'il y avait des professionnels ici qui pourraient m'aider avec ma technique, puis m'aider à développer mes personnages, puis développer mes émotions sur la scène, ça serait vraiment comme de l'aide. Alors, d'habitude, on paye comme beaucoup d'argent pour des cours comme ça. Alors, pouvoir venir au Festival Jeunesse puis faire ça, c'est juste encore meilleur. Ça m'a beaucoup attiré, mais l'expression puis tout, alors, c'est intéressant, puis j'ai essayé de me perfectionner là-dedans. C'est toute ma vie, ça! Dans une chanson, normalement, on a une première phrase, OK, qui nous donne une image, qui nous dit de quoi la chanson va parler. C'est plus facile quand tu arrives à faire ta phrase parce que tu chantes ta mélodie de ta tête en écrivant ta phrase. Oh, je sais que ça. Ça marche. T'as manqué? Oui, faudrait mettre ça. Sais-tu qu'est-ce qui marche pas? C'est que tes rimes sont pas collées.
Puis c'est pour ça que ça débalance. C'est sauter une personne à la fois. Donc, est-ce que le piano fait aussi? De même qu'on on rentre pas tout comme... You know what I mean? La musique est ma vie, donc j'ai juste décidé de choisir la musique. Deux années passées, quand j'étais à FGA, j'ai aussi fait la musique. C'était des ateliers, c'était beaucoup de fun. Et on a jammé, des choses comme ça, donc je voulais faire ça. Disait « Change de note, t'es un homme. » Je reconnaissais pas d'autres. Ça, j'ai continué. Là, j'étais comme « Ah! » Je crois que je vais écrire une chanson. On va vous faire faire un petit film, là, peut-être de une minute ou de deux minutes. Sébastien, vas-y, on t'écoute. Puis, venez, on l'écoute toute, là. Ce roi-là, il y avait une petite fille que, depuis à peu près un an, elle riait jamais. Juste la TV. Comme disent les animateurs du CGP de la Nouvelle-Écosse, l'union fait la force. Quel genre d'image on pourrait mettre derrière pour que son histoire, pour animer son histoire, qu'elle devienne plus intéressante? Il était une fois une bouteille de mer bien seule. Elle habitait près d'un joli phare. Un jour, lorsqu'elle contemplait le ciel enseveli dans le sable, puis on pourrait la voir avec son... S'il y a d'autres questions qui viennent, mais gênez-vous pas. J'ai pris l'art parce que je suis intéressée dans la photographie. J'ai pris l'art visuel parce que c'est ma passion puis j'ai vraiment une addiction à créer toutes sortes d'affaires sur ce pouvoir. Parce qu'on a des fêtes, puis des parties de cuisine, puis la danse, et c'est le fun, j'aime ça. À l'âge de 14 ans, j'ai acheté ma première guitare, puis j'ai appris deux accords, puis j'ai écrit ma première chanson. Puis à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à écrire des poèmes, de la poésie.
Moi, comme j'ai expliqué, je ne suis pas une artiste abstraite. Moi, je peinture plus au niveau du réaliste. Okay? Et c'est de trouver dans quoi que tu aimes, okay? Dans ce que toi, tu es à l'aise avec. Puis, c'est de trouver un produit qui est unique. La musique acadienne est en train d'aller, pas dans une nouvelle direction, mais elle est en train d'élargir ses horizons. Puis aujourd'hui, ben, on a la chance d'aller plus en France, on a la chance d'aller plus au Québec, d'aller plus dans l'Est du Canada. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la francophonie, puis c'est de rencontrer des gens comme vous autres. Puis trois quarts du temps, j'apprends des choses qui m'inspirent, puis ça me donne la chance d'écrire des chansons. Ça va jamais être correct. Dans ce cas-là, je quitte. J'en ai plus d'orteils, mais à moins que j'avais un cœur. Un cœur? Oui, un cœur. Si vous m'excusez, je préfère sauter en bas du pont de la Confédération. Non! Alors, un mandala, ça nous montre soi-même. Au cœur, c'est soi-même. Dans la vie de tous les jours, puis dans l'univers. C'est les nouveaux nos artistes visuels de Jeunesse Acadienne qui viennent de faire de l'art performance. Une autre tendance de l'art moderne, l'énergie contemporaine créatrice d'aujourd'hui et de demain. Attendez-les, c'est des artistes fantastiques. Merci. Moi, je dirais toutes les activités qu'on a faites, les ateliers, c'était vraiment intéressant. Faire des amis puis voir des personnes que je connais. Rencontrer les amis, je m'ai fait des gens, je m'ai fait des amis. Avant, ils n'étaient pas mes amis, maintenant, ils sont mes amis. Ici, right now, avec vous autres, en direct. C'était cool. C'est juste vraiment incroyable. Le monde est si ouvert à comme rencontrer d'autres mondes. Puis c'est tellement une atmosphère positive que tu peux juste aller à n'importe qui. Yeah, c'était beaucoup de fun. Mon moment préféré était le FGA. Alain jouait à Rage Parti. Alain a collaboré. Puis Festival Jeunesse et tout.